Le dernier épisode de la série Clem diffusé le lundi 6 novembre a marqué un moment spécial pour les téléspectateurs. Intitulé Les Retrouvailles, cet épisode a vu le retour de personnages emblématiques de la série, aux côtés de l'actrice principale, Lucie Lucas. L'une des apparitions les plus notables était celle de Victoria Abril, qui avait joué le rôle de Caroline, la mère de Clem, jusqu'à la fin de la saison 8. Dans une interview accordée à Soir Mag ce mercredi 8 novembre, l'actrice a exprimé son profond attachement à la série. Victoria Abril décrit l'aventure Clem comme une grande récré qui a duré 10 ans. Et au-delà de ses belles années, elle se dit chanceuse, car elle lui a permis de mettre un joli pactole de côté. Je ne fais pas de la télé pour faire de l'humanitaire. La mère de famille a souligné que sa participation à la série lui avait assuré une stabilité financière. Grâce à Clem, elle serait devenue rentière. Je ne fais pas de la télé pour faire de l'humanitaire. Pour Victoria Abril, la série représentait un challenge professionnel significatif, lui ayant offert l'opportunité de rester occupée tout au long de sa cinquantaine. Cette expérience en valait la peine, dit-elle, en reconnaissant le lien spécial qu'elle a pu tisser avec les téléspectateurs. Et ce, malgré le fait qu'elle n'avait pas été bien traitée. Les raisons du retour de Victoria dans Clem. La saison 9 de la série Clem avait débuté sans Victoria Abril. À l'époque, l'actrice avait exprimé sa difficulté à accepter son départ précipité de la série. C'est notamment sur Instagram qu'elle avait annoncé son départ de la série, maintenant CEST officiel, il n'y aura pas de nouvelle saison pour Caroline dans Clem. Malheureusement mon personnage disparaît de la série. Quelle tristesse de quitter ma Caro, ma Clem, et cette bande d'adorables fous qu'est la famille Boissier. C'est la vie. Il faut accepter le changement pour pouvoir aller de l'avant. Malgré cette déception initiale, les années semblent avoir atténué ses sentiments. Victoria Abril, âgée de 64 ans, a accepté de revenir pour cet épisode spécial diffusé le 6 novembre sur TF1. Elle a vu cette occasion comme l'opportunité pour Victoria Caroline de faire ses adieux au public qui l'a toujours soutenue, et qui, comme moi, n'avait pas pu faire son deuil. Just